Et bonjour à tous, aujourd'hui nouvelle vidéo qui va être très courte, comment ajouter un matériel. Donc là vous voyez sur l'accueil quand vous venez d'installer domotique, vous n'avez rien encore et vous propose d'ajouter un matériel. Là nous on va y aller par configuration matériel. Ici dans nom vous lui donnez le nom que vous voulez, donc moi je vais mettre domotix info. Là on va installer une fonction qui nous permet de récupérer les infos température, usage du processeur, etc. Donc je vais l'appeler Domotix Info. Le type, je cherche Motherboard Sensor. Voilà. Et délai d'inactivité, je laisse désactiver. C'est un truc qui tournera de toute façon en permanence, il ne sera jamais coupé. Ensuite, vous faites ajouter. Et là, vous voyez que il a été ajouté dans les dispositifs, dans les matériels. Pardon. Donc, vous avez l'ID si vous avez besoin un jour, etc. Maintenant, on va aller dans dispositif. Donc, hop, voilà. Donc, il me les met au fur et à mesure. Alors, vu que j'ai été obligé de le désinstaller pour la vidéo. Donc là, il me met qu'une seule chose. Mais à force de réactualiser, normalement, voilà, il va m'en mettre au fur et à mesure. Donc, normalement, il y en a 4 ou 5. Donc, voilà. Bon, on fera pour le tuto, ça ira très bien. Donc là, vous voyez, donc j'ai recherché Domotix Info, parce que je sais que j'avais appelé comme ça. J'ai que les dispositifs associés au matériel suivant. Donc là, je peux mettre ce que je veux. Donc si je veux les afficher, je clique sur la flèche verte. Il me demande le nom que je veux lui donner. Ok, je change pas, c'est pas très grave. Qu'est-ce que je vais mettre? La température du processeur, voilà. Donc là, j'aurai quelque chose dans la température et j'aurai quelque chose dans la mémoire. Donc ce sera seulement une mesure. Donc vous voyez, la mémoire, hop, elle est là. Je vous la mets en jaune pour la mettre dans les favoris. Et la température, elle est ici. Donc voilà, je la mets aussi en jaune pour les favoris. Maintenant, vous voyez, ils sont ici. Donc voilà. Donc il n'y avait rien de compliqué, vous avez vu, installer un matériel c'est tout simple. Des fois il y a certains nécessitent une configuration, comme par exemple le plugin pour le Roborock de chez Xiaomi. Et voilà, qui devrait être rempli ici, mais sinon, y en a beaucoup qui n'ont pas de configuration. Allez, voilà, fin de la vidéo, bonne journée.